Ok, donc on se retrouve. Excusez-moi, j'ai un souci avec mon micro. Non, c'est bon. Donc épisode 2, oui, j'ai vu que ça faisait 57 minutes pile poil quand j'ai pris ma pause là. Donc on en était où? On avait récupéré des allumettes ici. Mais je sais pas trop quoi en faire. Dites pas que c'était juste ça. Me dites pas que c'est juste parce qu'il fallait que je... que j'allume la bougie. Qu'est-ce que ça a changé? Le Prozac. Ok. J'ai trois éléments sur les quatre. Donc les escape memory, ça c'est bon. Espèce de rafflesia là, je sais pas ce que c'est. Bon, on verra bien. Du coup, ça je crois pas parce que. Jus de champignons. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc ça c'est le 3. Ça c'est le 4. Et ça c'est le 3. Ok. Prozac, c'est le 4, hein. On est d'accord.
Ça, c'est le jus de fruits. Enfin, c'est le... Donc, c'est le 2. Le 2, j'ai dit, c'est celui-là. Il ne me manque que la fleur. Ok, j'ai compris. Si je fais ça. En été, qu'est-ce qui se passe? Été, ça change pas. Cependant. Soit j'ai pas compris, soit voilà, automne en automne. Parce que là j'avais ça qui pouvait allumer le feu. On va voir si ça a changé quelque chose. Ça a rien changé. Il me manque un ingrédient. Y a un truc que j'ai pas compris avec la fenêtre. C'est le dernier indice. Alors, il y a une option dans ce jeu qu'il n'y avait pas avant. C'est que je peux activer cette option qui me permet d'activer des indices. Pour le moment, je l'ai désactivé. Donc, du coup.
peux faire ça, mais je vois pas en quoi ça m'aide. Parce que ça reste pas dans le temps. Putain, c'est ça. On va laisser Hervé s'échapper. Pour éviter qu'il meure. Ok. Du coup, on était 44. Il s'est pas barré. Forcément ça. Ok, fallait juste. Ok. Et là maintenant, évidemment, la timeline a forcément changé. Parce que là, je suis en été. Et Hervé n'est plus là. Du coup... En automne, il ne peut plus être là non plus. Et il va revenir pour l'hiver. Et on a sauvé Hervé. Mince. Et donc, dans la timeline, forcément, il y a quelque chose qui a coincé en automne. C'est logique, parce que j'ai pas pu... Enfin, comment... Harvey est forcément toujours en vie, quoi, c'est donc... Faut que je remette la cage. Faut que je dois avoir la cage quelque part pour qu'il revienne.
c'est la musique. Bah merci Hervé. C'est super, cette mécanique est juste géniale. Allez, c'est parti. Et demain. Et deux, deux. Et deux, trois. Messieurs, changeons notre passé. Ok. Oh bordel. Oh c'est tellement... C'est tellement une inception ce truc là. Et là maintenant il va falloir écouter le téléphone dans toutes les époques. Hiver 1981. Fin. Ah, attendez, 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 Wow, attendez, attendez, on n'a pas eu le temps de s'en remettre. Mais... Ok, donc on a fini Season, on va attaquer The Lake. On enchaîne, hein. Ouais, on enchaîne, tant pis. Parce que j'avais déjà commencé à nommer les titres en fonction des 9 chapitres. Mais... Wow, attendez. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on fait plusieurs épisodes pour... Ouais, on va enchaîner. On va enchaîner. Je vais appeler cette série, enfin cette sous-série Cube Escape Collection. Et on, tant pis, on fera le sur plusieurs épisodes, mais on mélange des chapitres. C'est pas grave, on mélange des chapitres. On fait pas un épisode égale un chapitre ou deux épisodes égale un chapitre. On va enchaîner. Et donc on va attaquer The Lake. Mais est-ce qu'on peut au moins parler du premier chapitre là? C'était assez dingue. Tout le travail sur un petit peu l'effet papillon en fait. On modifie des éléments du passé pour interagir dans le futur. Puis finalement, le futur, on crée une machine pour pouvoir rétroagir sur le passé. C'est ouf! C'est ouf comme truc. Alors par contre moi j'ai pris la toute première, enfin l'hiver. Putain c'est insane. C'est insane. Franchement c'est... Wow. C'est... Non, je c'est... Je trouve ça sidérant, c'est assez incroyable comme truc. Première chose qu'on va regarder c'est le plafond. Ok. Il y a un insecte. Là, j'ai un télescope, un petit télescope. Ok, j'ai une canne à pêche. Ok, super. On sait comment ça finit là, j'ai Rusty Lake.
Non? Bon. Ah non, c'est un support de... D'accord. Voilà, tout à fait logique, bien évidemment. Une crevette. Allez, brave bête. Ok, lequel ça ouvre? Ça ouvre ça. Un aimant, un ver de terre. Ah, j'ai encore la tête de crevette. Ok, d'accord. Ben, poisson, hein. Da fuck. Ok, c'est chelou. Bon. Eh ouais, la pêche à l'aimant, bien sûr. Ça ramène une clé. Une pièce. A coin. Ça, c'est aimanté. Ok, admettons, je vais la poser là pour le moment.
Zut. Et l'envers de Cézanne. QSTV 25641. Corrupted soul. Ah. Non, bon. Bon, il y a ce truc là, je sais pas encore ce que c'est. Mais il contient quelque chose. Okay. Ah! Ouh là là. Monsieur? Monsieur? Eh oui, évidemment, on m'en doutait. Flippant, hein, c'est flippant. Hein. J'en ai des frissons. Les frissons, sa mère. Bon, il y a ça. Là, je vois pas ça. Je comprends pas. Parce que... Désolé, mais là, je vais activer un indice. Miroir. Oh, bordel. Ok, d'accord. Je l'ai pas vu. Ok, c'est l'ordre. Donc déjà c'est les trois éléments. Alors, il y a celui-là.
celui-là et la pomme vient comme ceci. Ok, donc en fait je peux vraiment activer comme je veux, enfin quand j'en ai besoin en fait, c'est pas en permanence, j'avais peur que ce soit en permanence en fait les indices, du coup quand vraiment je bloquerai je cliquerai sur l'œil. Ok, donc on peut quand même demander quelques indices, hein, on peut. Ok, d'accord. Ah putain, d'accord, ok. Ouais, attendez, s'il y a des tout petits détails comme ça, honnêtement, ça va être. Ok, bon. Je vais pas en abuser, hein. C'est que c'est là, si je vois qu'on bloque trop, on s'en servira. De la moisissure. On va essayer de trouver. On va essayer de s'en servir comme. Attendez. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Du coup, je vais mettre ça là. Et ça, on essaie de retenir. Hop. Donc la moisissure, je vais essayer de m'en servir comme. Exact. On a le coquillage. Donc le coquillage qui vient. Si je me souviens bien, ici, il nous manque un élément. Ok, alors ça a été très très vite. On l'a fait en 20 minutes. Même pas. Ça a été très bizarre. Mais on va donc passer à Arles. On passe à Arles. Pas de soucis. Arles. Octobre 1988. Ah, c'est là, d'accord. Y a un truc métallique là-dedans. HN. Un code. On va essayer. On essaiera après. Cuillère à absinthe. Alors, faut le récupérer ça. GHN. Wow. Compliqué. Bon, on va essayer de compléter les tableaux déjà. Et ça me semble être l'autre tableau. Voilà. Comme ça.
Alors, ici, j'ai un carré de sucre. Ah oh, bah, d'accord. Ben dis donc, si on n'est pas beurré avec ça, je sais pas ce qu'il nous faut, hein. Oh. J'ai pas vu ce coin-là. Ok. Militaire, ça. C'est elle, ok. Ok, là elles sont toutes grandes. Je pense qu'il faut toutes les rapetisser. Donc celle-là, faut qu'elle soit grande. Ok. Donc, ça. Et là, je suis coincé. Donc, il faut que celle-là soit petite. Ça pose pas de problème. Donc, ça. Comme ça. Ok, donc celle-là, petite, celle-là est grande. Normalement, c'est bon. Non. Ça, normalement, c'est bon. Je fais ça. Je fais ça. Non. Je fais ça. Et je fais ça. Non. Ah. Ah, j'étais presque. J'y étais presque. Ben voilà, c'est bon. Non? C'est pas ça? Dis pas bêtise, tout ça c'est un tableau de Van Gogh tout ça. Ah putain, il y a encore des trucs là. Bah dis donc. Ok.
Alors, attendez que je réfléchisse à ce truc-là. C'est quoi ça? Le G, c'est la table. Il y a un C ou un croissant de lune. HM, c'était ce qui avait marqué sous l'oreiller. Ra, c'est marqué sur l'étagère. CL, c'était sous le tableau qui est un peu à droite. Je vois pas. Et ça, là, je. Non, je vois pas. Est-ce qu'il y a un code où je dois en remplir avec de l'absinthe et... J'ai pas regardé le plafond alors que d'habitude je regarde toujours. Oh putain. Et merde. D'accord. Bon. Bouteille de vin. Ça, on va le laisser rempli d'absence. Ok, donc. Bonjour monsieur. Mon ami Paul. Salut Paul. Salut Polo. Alors du coup, le G, il est bleu clair. C'est ce bleu-là. Ah, sauf que j'ai pas de quoi peindre. J'ai pas de pinceau. Ok. Mais ok, je saisis le concept.
Je saisis le concept. Alors. Là, doit y avoir un code. Oh, d'accord. Ok. Ok, je pense avoir saisi le concept. Attendez, je vais tout boire. Je vais mettre ça comme ça, déjà. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok, ensuite, on va dire... Ça et ça. Et ça. Ok, bon. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Non. Excusez-moi, j'ai inversé. Ok, c'est pas ça. Du coup, ça, on va le mettre en absinthe. Et ça, on va le mettre en vin. Non. Alors, ça, on va le mettre en vin. Et ça, on va le mettre en eau. Et c'est ça. Ok, d'accord. Alors. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire de ça. Mais, Ah putain, je regarde le pinceau comme ça. D'accord, ok. Je vous explique un petit peu. Sur ce truc-là, si vous n'avez pas compris en fait. Là, ici, j'ai des lignes horizontales sur cette bouteille-là et cette bouteille-là. Ici, c'est la seule bouteille qui a des traits verticaux. Et ici, ce sont. Et le verre et cette bouteille-là ont des rayures diagonales. Du coup, c'était pour montrer que ça devait avoir la même contenance. Par contre, ça disait pas quelle était la contenance. S'il fallait mettre de l'absinthe, du vin ou de l'eau. Mais c'est ça la mécanique. Et j'ai récupéré le pinceau. Du coup, je vais pouvoir commencer à peindre. Du coup. Hop. Ah! Oh! Je pensais que tu aurais qu'à cliquer et que ça remplirait. Je peux pas mieux faire, hein. Franchement, je peux pas mieux faire. Du coup, le QL. Non, attendez, c'est pas compliqué. Là, il y a le HN qui est en jaune. HN, c'est en jaune. Ça tombe bien, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul jaune. Du coup... Ok. Ensuite QL. QL, je crois que je l'ai vu ici, c'est ça? Non, ça c'est CL. CL, c'est du verre bouteille. Le CL, le verre bouteille, c'est ce verre-là, hein. Ok. RA, c'est la couleur du... Là, c'est ce vert turquoise, là. Couleur que je déteste, parce que... C'est jamais si c'est du bleu ou du vert. C'est entre les deux, enfin, voilà. Ok, WM. Le WM, c'est du blanc. Donc on va laisser en blanc. Bah en fait non, faut quand même que je le peigne, je pense. Ouais, c'est ça, je dois quand même le peindre en...
Allez, accepte-le là, c'est bon, c'est... Voilà, merci. Bon, allez, hein, voilà. Ensuite, QL. Il me manque la couleur QL. Je sais pas quelle couleur c'est. On peut peut-être déduire. Parce que, attendez. On a donc, on a utilisé. Il manque le noir. En fait, il manque le noir et le violet. Parce que pour moi, à mon avis, le noir, c'est ça. Ça, c'est le noir. Eh oui, bien sûr. Après, il y a cette couleur-là que j'ai pas utilisée. Ça a pas l'air d'être ça. Parce que je pense qu'il me l'aurait accepté depuis le temps. C'est pas ça. Du coup, c'est cette couleur-là que je n'ai pas encore utilisée.